Ce résumé vous est présenté par Heineken et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. Le coup franc, botté par Alex Telles pour tenter d'aller chercher la tête de Ronaldo, c'est remis. Et finalement, les filets qui tremblent une première fois avec la tête de McTominay, mais c'était du mauvais côté du filet finalement, c'était pas un mauvais ballon ça. Pourquoi pas une offensive du côté de Villarreal avec peut-être un premier tir pour Moy Gomez et l'intervention, hein, la première pour David De Gea. Alors qu'on termine la cinquième minute de jeu. Danjuma, et pourquoi pas à distance, c'est contré. Et ça arrive quand même dans les pieds de Jérémy Pino. À nouveau, les filets tremblent du mauvais côté, comme tout à l'heure. Deuxième possibilité. Hein. Attention parce que là c'est passé pour Jérémy Pino. Le ballon en retrait avec la frappe et l'intervention, c'est quand même la deuxième hein, de David De Gea. Ça c'était peut-être la plus difficile à aller chercher. Il sort très très bien son ballon. Question entre De Gea et Maguire. Il a dû surprendre à plusieurs fois et là ça c'était pas mal travaillé mais ça retombe un peu tard. Ça peut être intéressant, ce ballon pour Moy Gomez. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Oui, c'est dévié et ça atterrit dans les pieds derrière avec l'intervention à nouveau de David De Gea. Trigueros. Bah, il s'en approche quand même. Hein. C'est repoussé par le dos de Lindelof. Et regardez là, l'espace, il a tout le temps de reprendre cela. Une autre statistique qui serait intéressante, c'est de voir le nombre de ballons touchés par Ronaldo depuis le début de la deuxième mi-temps. J'ai pas l'impression qu'il y en a eu beaucoup. Oh, attention parce que là c'est passé. Trigueros, le relais. Et maintenant, il va falloir enchaîner. C'est compliqué. Danjuma, c'est au-dessus. Bruno Fernandes. C'est sur un seul ballon. Il peut apporter le danger aussi. Hein. Le Portugais et peut-être ici pour aller chercher Sancho. Ça, c'est une superbe occasion qui se présente. Et la sortie de Rui. Ah, pour l'instant, les gardiens, ils sont pas forcément hyper sollicités. Mais quand ils doivent l'être, ils répondent présents. Capoué en retrait avec son gardien. Ouh, c'est risqué. Et finalement, eh bien, ça va terminer au fond. Eh bien, voilà. Manchester United qui passe devant à 13 minutes du terme sur une erreur de la défense, sur une mauvaise relance de Rui. Et Manchester l'exploite. Et forcément, celui qui était bien placé, eh bien c'était Cristiano Ronaldo. Et il marque à nouveau son sixième but en Ligue des Champions. Regardez, énorme prise de risque avec Capoué et le press. Hein. De Fred. Récupéré par Ronaldo. McTominay.
pour retrouver Ronaldo et lancer Rashford. Ça, c'est un très bon ballon. Marcus Rashford maintenant, et qui va remettre à Bruno Fernandes, sans volontaire face à Sancho. Ça passe sans que ce soit volontaire, mais en attendant, ça permet à Manu d'aller s'imposer. Là maintenant, c'est certain. Et Jadon Sancho, celui-là est tellement important pour lui. Enfin buteur, Jadon Sancho. Sous ses nouvelles couleurs, il n'avait été impliqué dans aucun but depuis le début de la saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Ils sont KO, Villarreal est KO, Manchester United est en 8e de finale. Ce résumé vous a été présenté par Heineken et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League.